De retour sur Dark Chronicle, je vous parlais de faire une vidéo spéciale pour les photos. Je me rends compte qu'il y en a, pas mal pour Palm Springs. Et donc, je vais pas la faire tout de suite parce que j'ai tout simplement pas accès à l'intégralité de la ville. Je suis encore bloqué à un secteur. Donc je la ferai d'ici le prochain chapitre ou on verra selon la situation, dès que possible en fait. Comme ça, je passerai tout de suite aux inventions, etc. Alors... Ok, bon, on va retourner au boss. Que je prendrai en photo pour le scoop. Et je parlais de ne pas supprimer les photos, c'est normal. Alors... Normalement, j'ai un album photo quelque part là, mais... Ok, si je ne l'ai pas encore, c'est vrai que je le récupère plus tard. Donc comme je le disais, les scoops, il faut absolument les conserver dans le cas où vous faites une nouvelle partie. Et même si vous ne faites pas de nouvelle partie, c'est pas grave, il faut les garder. C'est toujours utile. You all set? Okay, let's go! Alright, time to saddle up and head out. Les scoops permettront de faire une nouvelle partie plus. C'est-à-dire commencer le jeu avec des avantages dès le début, on va dire. Ça sera très pratique pour plus tard, mais bon. Là, comme je compte pas recommencer le jeu à nouveau, je vais quand même les mettre dans l'album et sauvegarder les cartes mémoire et les transférer à quelqu'un si ça le chante. Hein. Comme ça, il aura tout de suite les scoops. On reviendra là-dessus une autre fois. This door leads to the underground waterway. You'll be heading out on your own, son. I'm gonna see if I can't get something out of need. Loud and clear. Keep your guard up. Leave it to me. Je sais plus si on arrive direct dans la zone ou... Ah oui. Ok, parfait. Star du cirque Linda. Edith. Ah. Faudrait que je la prenne en photo quand elle lève les pattes en fait. Faut que je prends moyen de. Elle veut toujours pas. Hein. Je crois qu'il faut que je passe derrière elle. Ou alors. Ouais. Excellent. Donc c'est une ampoule avec une étoile rouge dessus. Ça veut dire scoop. C'est très très important. Faut jamais les perdre. Effacer les photos, non. On va la garder. Je la rangerai dans l'album dès que j'ai un orient. Ce sera pas pour tout de suite. Ok. Il n'y a plus qu'à lui casser la gueule. Mettez-vous bien derrière pour pas vous prendre des coups de... Ah. Take that! Oh, you little brat! I won't forget this! The outside world. Right then, my heart was filled with expectation, wondering what kind of places I would find. I had no idea that the incredible adventure I was about to begin was beyond anything that I could have imagined. Point d'expérience.
Ce sera important, c'est un peu comme les armes de Max. En gros, améliorer le robot mobile. En mobilité, en armement, en défense, en autonomie, etc. etc. Pour l'instant, c'est un robot fabriqué comme ça, quoi. Rien de bien spectaculaire. Plus tard, vous verrez, il sera très très utile. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à prendre en photo ici? De toute façon, je pourrais revenir si besoin. Allons-y. Cédric se rend à la mairie pour parler au maire Nid. Are you hiding from me? Tell me everything you know. I see. So you realize too, have you? Damn. But sometimes it's better not to know. Why are you hiding things from me? I thought we were friends, Need. What's going on? Spit it out, will you? Okay, okay. I can't go on hiding it anymore. I'll tell you everything. I'll tell you what's going on here in this town, in this world. On va enfin découvrir ce qui se passe. Ou pas. Ça sera pour une prochaine fois. Alors. Ok. Il me reste deux niveaux. Là, je crois que c'est le boss. Et là, ça doit être la sortie. Il faudrait que, après ce niveau-ci, donc avant d'entrer dans la salle du boss, que j'aille récupérer des objets spéciaux. Ok, on va faire ce niveau-là. Vaincre tous les ennemis à l'aide du robot mobile. Ça permettra de gagner une médaille, c'est ce qu'on va faire. Temps limite pour tuer tous les monstres, 2,45. Ça va pas être possible, j'ai pas l'équipement pour ça. Plus tard. Oui, parce que chaque dédale peut être recommencé. Et n'importe quel niveau peut être fait dans n'importe quelle arme. Ça, c'est un gros avantage. Allons-y. Je fais toujours en sorte de casser les petites caisses parce qu'il y a souvent des objets intéressants dedans. En un coup. Oh oh. La première fois que j'ai joué à ce jeu et que j'ai vu les simili, ça m'a vraiment surpris, hein, franchement. Je m'y attendais pas du tout. Et comme j'y jouais sur la grosse PD, ça faisait... c'était assez effrayant. Enfin, c'était il y a longtemps aussi, j'étais petit. Petite anecdote. Les cristaux, hein, comme vous avez bien compris, ça sert à améliorer les armes. Mais on peut aussi se servir de divers objets pour améliorer les armes. Pas seulement... les cristaux. C'est sûr que les cristaux sont les plus efficaces, mais... on peut se servir des autres objets, si par exemple on en a plus. Ce que je veux dire, c'est que je peux très bien utiliser une botte de foin pour gagner des pouvoirs cyclones. Sauf que spectromiser une botte de foin, ça fait gagner que 2 points en cyclone. Alors que le cristal ci de vent, là j'en ai pas. Mais ça me ferait gagner 3 points. Comme le cristal destructeur, un cristal c'est pour 3 points de masse. Un cristal de vent, 3 points de cyclone. Voilà.
Ah, lui aussi peut me donner un scoop, mais c'est très difficile de l'avoir celui-là. Il faut qu'il fasse une... qu'il monte sur ses pics, il fasse une sorte de poirier ou je sais pas quoi. Mais ça va être très compliqué. Bon, c'est pas grave, c'est pas un scoop important pour l'instant. Je vais m'en passer. Avant-garde. Encore un. Voilà, je répare les bras. Ils sont cassés. Oui, la particularité, c'est que le bras, lui, a besoin de deux poudres pour être réparé complètement. Et je crois qu'en fonction des armes, plus ils auront des points de capacité, plus il faudra de poudre réparatrice pour les réparer. Je suis pas sûr de ça, mais on verra de façon plus tard. Faire quand même éliminer tous les monstres plutôt que direct prendre la sortie. C'est mieux parce que je peux améliorer les armes, etc. Il y a différentes façons de jouer à ce jeu. Mais la meilleure reste malgré tout de latter tout le monde. De ne pas en laisser un seul vivant. Il faut que j'améliore le robot mobile, les armes de Max, les armes de l'autre personnage d'ici là. Je sais que c'est un vieux jeu, mais je vais quand même pas vous spoiler, pour ceux qui connaissent pas. Je donnerai pas les infos croustillantes, on va dire. Ah, et pour le robot mobile, pareil. On peut inventer des armes et des équipements pour le robot. De même pour les armes et les équipements de Max. Ça, c'est un des gros avantages aussi. Après, il faut trouver les bonnes photos au bon endroit. Et certaines zones ne sont accessibles qu'à partir d'une certaine progression dans le jeu. Donc là, tout de suite, je peux pas inventer directement les grosses armes de dingue et tout qui tuent les ennemis en un coup, quoi. Ça sera pour plus tard. Puis ça enlèverait tout le fun du jeu, ça me met. Je descends du robot parce que Max va plus vite que le robot. Du moins le robot avec les pieds, quoi. Quand plus tard il a autre chose que les pieds, ce sera plus intéressant. Fini.
une médaille. Alors les médailles serviront à récupérer des objets spéciaux, eux aussi. Comme des vêtements uniques ou alors des équipements spéciaux. Je vous en reparlerai d'ici là. Très utile le coffre. Mais enfin bref. Avec l'heure de sauvegarder. So, there it is. That's what this is all about. You expect me to believe all that? So just what do you plan on doing, huh? Well, there's nothing that I can do. You ignoramus! What's wrong with you? You're supposed to be the mayor of this town. You're right, I'm useless as mayor. Come on, Need, what happened? You didn't used to be like this. Gosh darn it, Need, I just can't believe you. That's it! Need, just start the Blackstone Railroad again. Blackstone Railroad? The reason you shut down the Blackstone Railroad was so that no one could leave and see the outside world, right? Well, that's not necessary anymore. Now we need to leave this town and see the outside world. If we do, then we just might find a way around this. Come on. Right, let's reopen the railroad. Non, le jeu n'a pas planté, hein. C'est juste qu'il est ramé. Everything set? All set, Cedric. It's a go! Great to be back, isn't it, sir? Yeah, 20% more cold today. Roger that. Alrighty, Blackstone 1, here we go. I didn't have the guts. I'm counting on you, Cedric. Ça devient intéressant. Alors, on va sauvegarder. Et on reprendra dans la prochaine vidéo, tout simplement. Alors, j'ai 4 mémoires pleines. Je devrais pouvoir effacer les anciennes sauvegardes, c'est grave. J'ai pas eu de bug pour l'instant. Et puis... avoir un bug qui casse complètement la partie, c'est quasi impossible, mais on sait jamais. Avec PCSX 2, tout peut arriver. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et on reprendra la prochaine fois avec le prochain niveau du Dédale.